Salut tout le monde, c'est AK36AW pour la 18e partie de ce Warcraft sur Deus Ex Human Revolution. Docteur Chichiri. Vous êtes intéressé par l'un de nos produits? Docteur Chichiri, appelez le 217. C'est toujours un plaisir, monsieur. Accès autorisé. Ils m'ont prise par surprise et ils m'ont arraché mon sac des mains. Il y avait des témoins? Oui, mais... Désolé, la circulation des travaux est très perturbée. Aucun ne s'arrête à cette station. C'est pas moi, mec! Bienvenue sur la réseau. Je reste comme ça jusqu'à l'arrivée du fourgon. Vraiment la honte quand même. Avec nos envoyés en Australie, je voudrais revenir sur 2-3 trucs qui me tiennent à cœur. Votre Bon, ici c'est au choix, vous pouvez désamorcer la bombe ou simplement tirer sur les deux petites tubes de poison qui sont sur les côtés. Thank you.
la paix. Pitié, pitié, ne me tuez pas. Enfoiré. Il y a bien eu un bruit là, non? Bordel! Pas de ça. Sauf si c'est pour m'achever. Jensen. Oh, merde. Brian Bradford? Lui-même. À moitié en vie. Comment connaissez-vous mon nom? Que s'est-il passé ici? Je réponds, si vous m'aidez. Il y a un kit d'urgence. Je l'ai mis quelque part. Trouvez-le. Il vous faut un docteur. J'appelle. Non, pas le temps. Il pourrait revenir... d'un instant à l'autre. Trouvez le kit vite si vous voulez des réponses. Je reviens. Vous avez le kit? Oh putain, j'ai mal. Morphine. Ça devrait calmer la douleur. Maintenant, racontez-moi ce qui se passe. Ces enfoirés. J'aurais dû m'en douter. J'ai su que cette affaire me retomberait sur la gueule dès que j'ai appris que Sarif a commencé à avoir peur. Sarif. Donc c'est vous l'enquêteur qui l'a engagé pour fouiller dans mon passé? Détective privé, ça fait mieux. Putain, rien que de respirer, ça fait mal. Le truc, c'est que les connards qui m'ont fait ça, c'est des pros. Je crois que votre patron a mis en colère les gens qu'il fallait pas en remuant votre merde. Les gens? Quels gens? Qu'avez-vous trouvé? Pas le temps pour les détails. Mon casier, ces enfoirés, c'est là qu'ils vont. Sarif m'a fait lever tout un tas de lièvres sur vous. Des trucs que vous savez pas. Vos parents. Vos vrais parents. Les tests, l'incendie. Vous êtes qui, Jensen? Une espèce de monstre. Restez avec moi, Radford. J'ai tout foutu, tout mis en vrac dans un casier. C'est dans une ruelle, derrière la banque. Votre dossier, tout est là. Mais Michel en sait plus. Vous devez les arrêter. Merde. Robot de merde. Tout est votre faute. Donnez-moi une autre dose de morphine ou... où allez-vous faire foutre? Restez avec moi, Radford. Ah, ça fait du bien. Je crois que je pourrais m'habituer à ce truc. Eh, je me sens déjà d'humeur plus bavarde, le robot. Radford, je sais que vous souffrez beaucoup, mais chaque détail que vous pouvez me donner est important. Il y a un casier dans la ruelle à côté de la banque, près du commissariat. C'est là que les types en costard sont allés. J'ai essayé de rien leur dire. Il y a un coffre. Et ce que vous voulez est dedans. Je vais vous guider jusqu'à elle, Michel. Le coffre, ils ont pas la bonne combinaison. 4-0. 6-2, n'oubliez pas. Vous pensez à quoi pour me remercier? Pour mon aide? Prenez ce que vous voulez. Ici, ou dans le casier. Il y a une cache d'armes et de l'argent. Vous avez prononcé un nom. Michel. Qui est Michel? Hein? Votre ange gardien. Qui est-elle? Dites-moi. Les robots croient... les robots croient aux anges? Ou est-ce qu'on vous a enlevé ça aussi? Est-ce qu'on vous a enlevé votre âme en vous fabriquant? Dites-moi, ça vous a fait quoi quand vous êtes mort? Je sais que vous souffrez et que la morphine est... Trouvez-la avant eux. Vous lui devez bien ça. Pourquoi Sarif a-t-il mis fin à l'enquête?
Vous avez dit qu'il a eu peur. Qui lui a fait peur? Vous ne croirez jamais si je vous le dis. Et puis merde, même si j'y crois toujours pas. Vous croyez aux fantômes, Jensen? Sarif a eu peur de fantômes? Presque. Les Illuminati. Des délires de théorie du complot, un ramassis de conneries. Mais il y a cette odeur sur vous, assez pour que votre patron, un des hommes les plus puissants au monde, renonce. Vous êtes un fantôme, une putain de tragédie. Tout ce que vous touchez, tout ce qui vous touche, crève. Qui vous a fait ça? Des gars en costard, un David ou Daniel, un nom comme ça. C'était le chef. Il a parlé d'un monsieur Gray. Ils étaient très pressés, quatre types, sans compter celui qu'ils ont laissé derrière. Bien armés et disciplinés, j'avais aucune chance. Mais peut-être que tout ce métal qui vous sert de corps sera plus efficace. Qu'est-ce qu'il cherchait? C'est vous qui cherchez. Il voulait mes renseignements sur vous. Quelqu'un de puissant vous a à l'œil. Et il s'intéresse à votre passé. Je pars. Mais j'appelle une ambulance. Vous allez vous en sortir. Non. Ces putains de chacals. Je peux plus bouger. J'étais en train de me retourner, de dégainer. Quand la première balle m'a touché, la deuxième, elle m'a paralysé. Je suis sûr que c'est pas aussi grave que vous le croyez. Peut-être une réaction à la morphine. Je connais les effets de la morphine. Et je connais aussi les effets d'une balle de 9 mm tirée à moins de 10 mètres sur les vertèbres thoraciques. Il vous faut un docteur pour vous remettre sur pied. Je veux pas devenir un monstre. Même si je pouvais me payer l'opération, les augmentations... Je préfère mourir que de devenir à moitié une machine. Et je refuse de passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant, à pisser dans une couche. Radford, écoutez, je sais qu'il reste quelques seringues de morphine. Deux de plus, ça devrait suffire. S'il vous plaît. Je peux pas vous supplier plus que ça. Me laissez pas dans cet état. Vous me devez bien ça. C'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que le pape va à la messe? Oh merde. C'était pas terrible ça. Écoute le robot, si je pouvais, je le ferais moi-même. J'ai plus de famille, personne pour me pleurer. C'est le mieux. Je veux pas être un fardeau pour la société. Dernière chance, Brent. Fais-le, putain. Ça sera rapide. Je sais. Vous avez fait une bonne action. Ceux qui vous ont fait ça, je les trouverai. Regardez-vous un géant de fer avec un cœur en or. Mais le faites pas pour moi, faites-le pour Michel. Vous lui devez la vie. C'est quand même long hein, comme discussion, il semble. Richard, j'ai trouvé Radford. Il a été attaqué par des types en costume, sécurité privée, type service secret. Je pars à leur poursuite. Et Radford, il a pu vous dire quelque chose? Il est mort. Je n'ai rien pu faire. Bon, je vais avertir la police. Vous avez une piste au moins? Ouais, je suis dessus. Je vous recontacte dès que j'ai quelque chose de concret.
Bien sûr que oui, je sais que Monsieur Dar... Monsieur Gray arrive ce soir. On y travaille, ouais. C'est quoi ça? Voilà, c'est ici. Accès auto. J'avais laissé ma porte ouverte, mais vous n'êtes pas de repas à domicile. Vous êtes trop beau garçon pour travailler à repas à domicile. Vous êtes bien Madame Michelle Walters? Je m'appelle Adam Jensen. Non, non, vous êtes trop vieux pour être lui. Vous êtes de repas à domicile, et c'est Mademoiselle Walters. Je viens de la part de Brent Radford. Vous vous souvenez de lui? C'est un détective. Oui, oui. Un homme délicieux. Il a toujours mes photos. Celles d'Adam bébé. Oh, vous voulez bien aller me les chercher? Oh, mais j'ai oublié qui les a. Ce sont ces photos-là? Oh, oui, oui. Merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Adam Jensen. Une éternité. Quel adorable pampin. Pouvez-vous me parler du garçon sur ces photos? Le garçon sur ces photos, Adam, ça a été une tragédie ce qui est arrivé à ses parents. Ses vrais parents. Ses vrais parents? Ils sont morts dans l'incendie. Une horreur. J'étais là. Au moins, les autres berceaux étaient vides. Je n'ai eu qu'Adam à sauver. Mademoiselle Walters, j'aimerais que vous vous concentriez. De quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, j'ai déjà tout dit à ce charmant détective sur les expériences et l'incendie au labo de l'Hélice Blanche. On savait qu'Adam était spécial. C'est pour ça que ses parents ont mis le feu, pour ne pas avoir à faire ça au lot de bébés suivants. Donc, mais les vrais parents d'Adam essayaient de le protéger? Mais de quoi? Eh bien, du complot, bien sûr. Mais j'en dis trop. Vous voulez bien être gentil et aller me chercher mon dîner maintenant. Mademoiselle Walters, s'il vous plaît. Je sais que ça remonte à loin et qu'il doit être difficile de vous rappeler tous les détails. Mais est-ce que vous pourriez vous concentrer un instant? Qu'avez-vous dit au détective? Eh bien, Monsieur Radford et moi avons parlé de beaucoup de choses. Mais vous ne deviez pas me livrer mon dîner. Où est mon dîner?
Merci de m'avoir reçu, Mademoiselle Walters. Oh, avant que j'oublie, si vous voyez Adam, donnez-lui ceci. C'est pour tous les anniversaires et les Noëls que j'ai manqués. J'ai mis ça de côté pour lui. Je lui ferai parvenir. Merci, jeune homme. Oh, il doit avoir 12 ou 13 ans maintenant. Qu'il s'achète ce qui lui plaira. Richard, je veux que vous affectiez temporairement une équipe de protection à un appartement sur Brooklyn Court, jusqu'à ce que je trouve une solution permanente. Il s'agit d'une femme du nom de Walters. Michelle Walters. Une équipe de protection ? Pourquoi faire, Jensen ? Qui est cette femme ? C'est une parente. Et elle est très vulnérable. Je vous expliquerai plus tard. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. Et pas un mot à Sarif. Je peux vous faire confiance, Richard ? Vous poussez le bouchon, Jensen. Bon, très bien, je vais le faire. Et vous avez intérêt à avoir une bonne raison. J'en ai une. Je vous expliquerai bientôt. Mais pour l'instant, je dois me remettre au boulot. Hé, Richard. Merci. Ouais. Je suis très content que tu nous aides, Adam. Mais le temps presse. Il faut qu'on trouve White avant qu'il fasse péter quelque chose. Tout est réglé. J'ai laissé White assommé dans les égouts sous le commissariat. Dieu merci. Le chef a fini par me prendre au sérieux et il m'envoie des renforts. On s'occupe de tout maintenant. Super. Autre chose ? Oh, et c'est pas grand-chose, mais prends ça. Ça vient de la caisse de la police. Ça me plaît pas beaucoup, mais t'as neutralisé un tueur de flics et ça, c'est la récompense. D'habitude, je m'en sers pour payer nos informateurs, mais je crois que tu l'as mérité. J'ai ajouté un petit bonus pour me l'avoir livré vivant. Ça fait plaisir de voir que t'es encore du côté des gentils, Jensen. Au fait, Nicky, la bombe de White, c'était pas de l'explosif, c'était du gaz. J'ai réussi à la désamorcer, mais tu devrais envoyer une équipe de démineurs pour bien nettoyer le coin. Eh merde ! J'ai complètement oublié ça. J'appelle la brigade de déminage. On veut surtout pas que le bilan de ce soir s'alourdisse. Dis donc, on peut dire que j'ai du bol de t'avoir vu ce soir. Je te revaudrais ça autour d'une bière chez Maggie un de ces soirs. Du coup, tu pourras m'apprendre à rester cool. Ouais, un de ces soirs. Fais attention à toi, Nicky. Nora 92 au central. Allô, central, à vous. Thank you.
sûr d'avoir fermé la porte ? Ouais, ouais, bien sûr que j'ai fermé. Tu me prends pour un idiot ? Tu veux vraiment que je te réponde, t'es sûr ? Merde, c'était quoi ça ? Accès autorisé. Richard, on dirait que Sandoval a un bunker secret. Je vais le débusquer. Espérons qu'il soit toujours là. Ouais, qu'est-ce que quelqu'un viendrait foutre ici ? Je crois qu'ils ont... Putain d'enfoiré ! Sandoval n'est pas sorti de là d'ici 2 minutes, j'y vais. Pas question, il est à cran. C'est pas de quoi il est capable. Raison de plus pour aller le voir et lui parler. Non, je te dis, je veux pas le surprendre. Il pourrait mal réagir et se mettre à nous tirer dessus. Laisse-le se débrouiller tout seul. C'est pourquoi je demande à chaque membre de mon équipe, à chaque homme et chaque femme dévoués à la vraie mission du Front pour l'Humanité, de faire de même. Isaïas, si vous me voyez, je vous en supplie. Ne laissez pas la colère détruire tout ce que nous avons bâti à la sueur de notre front. C'est la fin! Il sait que je suis allé trop loin! Tout le monde le sait, Sandoval. Vous devrez assumer vos actes. Assumer mes actes, Monsieur Jensen ? J'ai passé des années à remettre sur pied des gens détruits par des opérations bâclées et des syndromes de rejet liés aux augmentations. Et là, à cause de la trahison de Bill, je dois renoncer à être médecin ?
Vous voulez sauver des gens? Dites-moi où sont les chercheurs de Sarif. J'aimerais pouvoir, Monsieur Jensen. Mais mon rôle s'est arrêté après que j'ai échoué à extraire les GPL. Échoué? En fait, mes talents de chirurgien étaient insuffisants pour déjouer les sécurités de Sarif. Pour ce que j'en sais, ces GPL sont toujours en train d'émettre. Sur une fréquence si basse que vos informaticiens n'ont pas dû penser à la scanner. Vous avez changé la fréquence. Je vous ai tout dit, Monsieur Jensen. Je n'ai rien à ajouter. Les juges penseront peut-être que je dois expier, mais mon seul véritable juge sera Dieu. Et si je prenais cette arme avec moi en partant? Vous avez tout ce que vous voulez. Je vous en prie, laissez-moi. Croyez-le ou non, je vous préfère encore en vie. C'est parce que vous ne savez pas les tortures que j'ai subies. La culpabilité, la honte. On m'avait dit que les scientifiques aideraient à trouver une solution pacifique à la crise de l'augmentation. Et je me suis retrouvé dans une histoire d'enlèvement et de meurtre. C'est ma vie qui a pris fin. Je suis prêt à l'abandonner. Réfléchissez bien. Vous êtes vraiment si pressé que ça d'affronter le jugement de votre Dieu? Au moins devant lui, pas de mensonge! Vous avez vu cette abominable conférence de presse? William Taggart m'a presque accusé de terrorisme! Il raconte que je suis la seule personne à l'origine de toutes les violences commises au nom de notre cause! Alors restez en vie assez longtemps pour lui donner votre version des faits. Il sait déjà que tout est faux! Je lui faisais confiance! Je l'ai servi fidèlement pendant des années et il m'a trahi! Il a sacrifié ma liberté et mon honneur pour sauver la réputation de son organisation! C'est peine perdue! Il s'en sortira toujours. Au moins, si je meurs, il ne pourra plus jamais se servir de moi! Oui, je comprends bien votre situation, je vous le promets. J'ai quitté la police parce que je ne supportais pas ce que les grands pontes en faisaient. Mais ils sont allés raconter à la presse que c'était moi le problème depuis le début. Les puissants sacrifient toujours leurs subalternes pour sauver leur peau. Mais vous pouvez me croire, vous vous en remettrez. J'apprécie la foi que vous me portez, Monsieur Jensen. Et savoir que d'autres sont passés par les mêmes tourments peut parfois être utile. Mais est-ce suffisant? J'ai consacré toute mon existence à aider les autres. Mais le front voyait ses membres rejoindre l'industrie de la soi-disant amplification tous les jours. Ces scientifiques étaient ma toute dernière chance d'arrêter cette folie. Et j'ai échoué! Je n'ai fait que venir en aide aux gens qui soutiennent les augmentations. Je comprends ce que vous dites. Vous vous faites trop de soucis. Je sais ce que c'est. Et très bien même. Je suis passé par là. Vous voulez tout corriger, sans attendre. Vous êtes tellement impatient que vous faites des erreurs. Croyez-moi, en commençant par de petites étapes plus simples, les grandes vous feront beaucoup moins peur. D'un autre côté, si vous divisez un problème infini en éléments infimes, vous vous retrouvez avec un nombre infini d'éléments sur les bras. Et quel docteur! Quel catholique je suis aujourd'hui! J'ai organisé et pris part à un enlèvement qui s'est soldé par la mort de pauvres innocents! Je ne suis qu'un meurtrier! Ma femme, je ne la mérite pas. La perdre est une punition plus que méritée. Mais je ne suis pas assez courageux pour l'affronter. Vous n'êtes pas un bon à rien, détrompez-vous. Vous ne comprenez simplement pas encore votre propre potentiel. Vous pouvez encore transformer vos regrets en énergie positive. Devenez un exemple. Prouvez que la violence n'est pas une réponse viable. Vous avez bien trop souffert pour ne pas profiter de cette expérience. Je ne comprends pas. Nous sommes ennemis, mais vous voulez m'aider. Je mérite de mourir. Et même, j'en ai envie. Mais vous n'allez pas me laisser faire comme ça. Vous me confiez une mission que je ne peux pas refuser. Prenez l'arme. Vous avez gagné. Richard, écoutez. Les GPL émettent toujours. Sandoval les a réglés sur une fréquence très basse. Mais ils peuvent émettre de n'importe où dans le monde!
Je ne suis pas équipé pour une recherche aussi vaste. C'est notre seule piste, Pritchard. Débrouillez-vous avec ça. D'accord. Écoutez, les entrées sont toujours bloquées par les émeutiers. Rentrez à votre appartement et Malik viendra vous chercher. Entre-temps, j'aurai peut-être une idée de génie. Accès autorisé. Enfoiré de flic, putain. Ouais, on va pas se laisser virer de nos rues comme ça. Ah, c'est notre quartier autant que le leur. Ils ont dû arrêter tous nos potes. Je t'avais dit qu'on vivait dans un état politique. Bienvenue sur le réseau de Roman. Des milliers d'émeutiers ont envahi les rues de plusieurs villes ce soir, après la diffusion par Picus d'un document. Une enquête bien menée, Jensen. Je te ramène au siège? Ouais. Espérons que Pritchard ait trouvé la fréquence. Croisons les doigts. J'ai un message pour toi, Jensen, de Pritchard. Il te fait dire qu'il est pas au bureau. Super. Alors je suis censé faire quoi, au juste? Je sais pas. Il a dit que tu devras appeler le patron. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. A plus tout le monde, et bon frag.